Cette dernière émission de l'année de Touche pas à mon poste, sur C8, a été remplie d'émotions surtout pour Raymond Abou. En effet, le chroniqueur et ami de Cyril Hanouna a été élu chroniqueur de l'année. À l'annonce de la nouvelle, il essayait clairement de retenir ses larmes tout en étant applaudi par tout le plateau. Si est-il vachement bien, avait-il sobrement répondu bien que sa voix tremblait. Je sais que tu es très ému, avait alors repris Cyril Hanouna. Toujours avec cette voix tremblante, Raymond Abou avait expliqué que cette récompense signifiait beaucoup pour lui. Je suis ému puisque si est compliqué cette année, avait-il confié en faisant surtout référence à la mort de son père. Valérie elle l'a vu aussi comme j'ai perdu mon papa, j'ai fait le début de la saison où j'allais à l'hôpital et je venais ici après. Donc ça a été très très difficile, avait-il continué. Face au poids de ses mots, le plateau n'a pas émis un son lors de la confession du chroniqueur. Lui qui avait également évoqué les derniers mots de son défunt père, « Reste avec Hanouna, il est gentil avec toi ». TPMP, une chanson de mille images pour Raymond Abou avec le titre du meilleur chroniqueur de l'année est venue une surprise intéressante pour Raymond Abou. En effet, Cyril Hanouna avait invité le groupe Émile et Images pour interpréter une chanson pour son chroniqueur et ami. Le groupe avait notamment réécrit les paroles de la chanson Les Démons de Minuit pour l'occasion. Une belle surprise qui n'a tout de même pas réussi à dissiper l'émotion dans les yeux de Raymond Abou. Rappelons que le père du chroniqueur de 47 ans est mort en novembre dernier. Il avait notamment partagé une photo d'enfance avec cette triste annonce. Merci pour tout papa. J'ai été fier de toi tout le temps. Tu es mon héros repose-toi, avait écrit Raymond Abou en légende. Toujours dans cette émission, le chroniqueur a rendu hommage à son père disparu. Je suis content et s'il me regarde de là-haut, il doit dire, au moins il est premier quelque part, avait-il exprimé.